Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom à tous mes amis internautes, à tous les petits spirituels, à tous les bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous. Nous sommes pratiquement à cette date du vendredi et de jeudi et de mercredi 26, par la grâce de Dieu, 26 avril 2017. Depuis Bruxelles, justement pour communiquer sur le programme La Retraite. La retraite spirituelle aura lieu ce vendredi 28, 29 et 30. Nous avons un grand programme, c'est l'apothéose de toute cette tournée européenne. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et à cette retraite spirituelle, nous verrons beaucoup de choses. Donc déjà, il y aura dans la matinée des réceptions, il y aura, n'est-ce pas, dans la soirée, n'est-ce pas, de différentes croisades. Et pour cela, nous invitons tous ceux qui sont malades, qui ont des situations un peu difficiles, compliquées, envoûtés, ensorcelés, tous ceux qui vivent, n'est-ce pas, des attaques les plus terribles, venez à cette retraite, afin que Jésus-Christ encore puisse encore faire quelque chose pour vous. Voilà, donc je rappelle la date, c'est du 28, 29 et 30, c'est samedi 28, et vendredi 28, samedi 29, dimanche 30, nous aurons, n'est-ce pas, la grâce de bénéficier de beaucoup de choses. Voilà, ceux qui n'ont pas été, n'est-ce pas, reçus, ceux qui, pendant toute cette retraite, le premier programme, ceux de Suisse, ceux de l'Allemagne, je demande à tout le monde d'être là, à ce grand programme. C'est un grand rendez-vous où le Saint-Esprit aura l'occasion d'apporter quelque chose à ta vie. Tu es en train de m'écouter, il y a des opportunités, faut pas rater. Écoute-moi très bien, cette retraite est faite pour toi et ne rate pas cette opportunité. Il y aura beaucoup de choses par la grâce de Dieu. La puissance de Jésus-Christ est à l'œuvre pour te guérir de cette maladie, de cette maladie que le diable t'a imposée. Cette situation bizarre que le diable t'a imposée, Jésus-Christ aura l'occasion de te guérir et te délivrer. Donc ne manquez pas la retraite spirituelle le 28, 29 et 30. Et ça, c'est à Lyon. Voilà, vous aurez, n'est-ce pas, parce que je suis sur ma page Facebook Live, vous aurez toutes les références, toutes les adresses par la grâce de Dieu et le contact téléphonique, aussi le YouTube. Parce que juste après cette vidéo de Facebook, vous aurez cette vidéo sur YouTube. Vous aurez, n'est-ce pas, toute l'adresse et les numéros de contact. Les numéros de contact demeurent les mêmes, c'est les mêmes numéros. Le numéro de Lyon, vous appelez le numéro de la France, ou vous appelez le secrétariat du prophète Joël Crasso, 00225-4707-2328. Déjà, pour qu'on puisse déjà vous recevoir. Les réceptions commencent déjà vendredi matin, durant les réceptions, très tôt le matin, vendredi matin. Et nous allons boucler avec la réception, n'est-ce pas, vers 12h, et le soir commencer déjà les programmes. Le samedi matin, nous aurons encore la réception, bouclée vers 12h. Dimanche matin, la réception. Tous les soirs, nous aurons, n'est-ce pas, des croisades d'évangélisation. Donc, voilà, donc voici l'annonce du jour. Voilà, nous sommes aujourd'hui mercredi 26, par la grâce de Dieu. Nous attendons cette grande croisade, retraite spirituelle, c'est une retraite spirituelle. On aura l'occasion de vous checker, d'être en contact avec, n'est-ce pas, votre personnalité, et permettre à Jésus-Christ de vous guérir, de vous restaurer. Et ça, c'est vraiment important. Ne ratez pas ce programme, un programme de rond de pointe. Voilà, de pointe, ne ratez pas ce programme. C'est vrai que pendant Paris, peut-être qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger avec le prophète, et pendant le programme de Lyon, peut-être, mais frère, cette rencontre-là, de retraite, on aura l'occasion de recevoir tout le monde, parce que ce sera très bien organisé, comme vous le savez très bien, le programme et cette tournée était bien organisée. Tous les matins, le vendredi matin, avant une réception, vous recevoir le samedi matin, vous recevoir, dimanche matin, vous recevoir, vous serez ici par vague, afin que nous puissions boucler avec la réception, et en même temps prier pour vous, régler beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Il y aura beaucoup d'actions prophétiques, et je pense que Jésus-Christ aura l'occasion de te guérir et de te restaurer. Voilà, donc ne ratez pas ce programme. Parce que la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Cette retraite-là est l'apothéose de ma tournée européenne. Donc ne ratez pas, c'est à Lyon. Et c'est à partir de ce vendredi 28, 29. C'est vendredi 28, samedi 29, dimanche 30. Voilà, juste après ça, j'aurai l'occasion de rentrer au pays.
en Afrique, afin de pousser mes activités. Et j'annonce encore mon arrivée sur le sol canadien à partir du mois de juin. Je serai au Canada à partir du mois de juin, afin de pouvoir aider toute cette communauté au Canada. Et après ça, nous serons aux États-Unis pour aider toute la communauté américaine, la diaspora américaine. Donc voilà, donc voici un peu mes programmes. Tout va bien par la grâce de Dieu. Ne ratez pas ce programme. Ne ratez pas ce programme. Tous ceux qui ont eu des rendez-vous déjà avec moi, soyez là, respectez les rendez-vous, afin que nous puissions déjà vous aider. Vous commencez déjà, n'est-ce pas, confirmer votre arrivée demain jeudi 27, déjà confirmer déjà votre arrivée pour que déjà ce vendredi matin on puisse déjà commencer déjà vous recevoir, parce qu'il y aura beaucoup de réceptions. Vous commencez déjà vous recevoir. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Oui, cette retraite de Lyon cette fois-ci, c'est du balèze. Ce serait vraiment quelque chose de très, 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 très balèze, parce que c'est vraiment, il faut dire, je dis chapeau, je dis chapeau au comité d'organisation, chapeau, parce que c'est très bien organisé par la grâce de Dieu. Je tenais aussi à dire merci aussi à ceux d'Italie. C'est vrai qu'il y a eu un petit souci à la fin du programme d'Italie, mais c'est une partie remise. Je demande aux gens de bien organiser pour que la prochaine fois que ça soit vraiment très bien organisé. Le pasteur Armand a voulu, n'est-ce pas, m'avait invité pour sa famille, et puis après ça, il a permis que les gens viennent rencontrer le prophète. Ouais, il y a eu un souci au dernier moment, mais gloire à Dieu, ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé, mais les Italiens, vous devez aussi bien organiser la prochaine fois vos différents programmes. Voilà, sinon tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va très bien, tout va très bien. Tous ceux qui sont à Marseille, ceux qui sont même en Italie, ceux qui sont en Suisse, en Allemagne, en Suisse, à Paris, au Danemark, en Suède, dans beaucoup de pays qui m'appellent, déjà en Luxembourg, Strasbourg, en France, toutes ces personnes là où devaient être là à ce programme, c'est l'apothéose. Ne ratez pas ce programme de Lyon. Ne ratez pas vraiment ce programme de Lyon, parce que Jésus-Christ, je crois, mon Dieu fera quelque chose pour vous. Mon Dieu écrasera tous les ennemis de votre vie. Mon Dieu détruira cette maladie, cette situation dans laquelle te dit Jésus-Christ te délivrera de cette situation. Donc ne ratez pas ce programme. Au nom de Jésus-Christ, Dieu compte sur toi, parce qu'il veut encore faire quelque chose dans ta vie. Il veut encore te restaurer, il veut encore te délivrer. Déjà, nous recevons assez de coups de fil pour ce programme du 28-29-30 à Lyon. 28-29-30 à Lyon. Merci déjà pour la communauté ivoirienne à Lyon. Merci pour la communauté camerounaise, gabonaise déjà à Lyon. Merci pour la communauté centrafricaine et congolaise déjà. Toute la diaspora mobilisée pour la réussite, le succès de ce programme. Voilà, donc shalom à vous. Commencez déjà à appeler pour que vous puissiez déjà aller sur Google, checker déjà les hôtels. Voilà, donc franchement, je vous assure que ça sera du balèze. Ça sera du balèze. Comme vous l'avez constaté la dernière fois, le premier programme à Lyon, c'était vraiment du balèze. Exactement, ce programme encore, ça serait très balèze, parce que c'est la fin de la clôture, de la tournée, et cette tournée européenne. Voilà, on aura quand même l'occasion de faire le bilan de tout, et on aura l'occasion de prier pour tout le monde. Il faut que la diaspora prospère, il faut que tes affaires prospèrent, il faut que tu arrives à te marier, il faut que tu sois encore béni. Donc ne ratez pas ce programme, et ça c'est vraiment très important, ne ratez pas ce programme. Voilà, donc la grâce de Dieu se répande encore sur vous, et que sa grâce demeure sur vous. Je rappelle encore le rendez-vous pour Lyon, c'est ce vendredi-là, ce week-end 28, 29 et 30. Et d'ailleurs, même c'est un week-end, un long week-end, parce que le lundi 1er est un férié. Le 1er mai est un férié, donc c'est un long week-end. Ne manquez pas aussi de venir avec vos enfants, on aura beaucoup de choses à faire ensemble. On aura l'occasion de faire les bains de pieds, on aura l'occasion de vous oindre avec la corne, on aura beaucoup de choses à prier pour vos commerces, pour que votre argent reste, pour que il y ait une stabilité dans votre travail, dans vos services, pour que l'argent reste. Donc il y a toute cette action-là, des actions prophétiques. Et puis j'en profite encore pour demander à tous ceux qui ont des ministères bloqués, ceux qui ont des difficultés dans leur ministère, ceux qui sont incompris dans leur ministère, venez à cette rencontre afin qu'on puisse vraiment vous booster par la grâce de Dieu, vous aider, prier pour que votre mission puisse éclore. Voilà, donc que la grâce de Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Shalom à vous, ne ratez pas ce programme. Allez sur le YouTube tout à l'heure pour avoir l'adresse de la salle. Et en même temps, essayez d'appeler pour les rendez-vous. Voilà, donc shalom. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.